On se mettra en relation avec un talkie-walkie avec le PC sécurité. Ça permet de leur annoncer quand on passe en façade et quand on revient sur la terrasse. Et en conséquence, ils voient que la météo évolue dans la matinée ou dans la journée, ils nous tiennent au courant. Surtout ce côté-là de la tour, il y a un effet Venturi hyper important. Il peut rien y avoir de l'autre côté et là, on se prend des rafales. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Il y a des couloirs comme ça qui sont propices au vent. Donc là, c'est une nacelle guidée, donc c'est donné pour 40 km/h. Mais elle est guidée qu'à partir en dessous de la faille. Ouais. Donc nous, on n'est pas guidé du tout. Vous n'êtes pas guidé, donc on va se mettre à 30. Hein. Ouais. Et on va installer une enseigne non guidée, en volant. Donc ça amplifie le stress, l'installation, le coup de vent qui peut arriver à tout moment. Ça fait partie du métier. Donc là, on a validé que lors du transport, il n'y ait pas eu un fil qui soit défait ou qu'il y ait des vis en moins. Donc c'est une étape avant l'installation extérieure. Là, regarde, troisième carreau sur quatrième, troisième. On va être pile poil là. Un, deux, trois. Vas-y, t'y es presque. Tu vois le reflet du mien ou pas? On est posé, ouais, toi t'es posé. Vas-y. On a accroché là. Ok. Attends-moi, Georges. Vas-y. Attends, j'ai le câble à passer. Attends, j'ai le câble. Si tout va bien, on doit boucler au moins le positionnement des lettres avant la fin de la journée. Et ensuite, on avise. On voit si on arrive à faire le câblage et allumer avant ce soir. Les lettres sont en place. Là, on est en train de faire le câblage pour pouvoir faire un essai avant de partir aujourd'hui, pour être sûr à 100% du fonctionnement. C'est assez loin? Bon, j'essaye.